Alors, on continue avec la situation clinique de l'acharnement thérapeutique. On se souvient qu'on parlait de M. Ely qui avait décidé de subir la chirurgie intestinale, la résection intestinale, qui avait eu des complications, puis que là, il se retrouve aux soins intensifs dans un état avec un prognostic sombre, on va dire. Alors, on est aux soins intensifs, le client continue à se détériorer, il est de moins en moins conscient. Il est plus ou moins conscient, excusez. Le médecin rencontre la famille, présente les options thérapeutiques et il leur dit comment, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le prognostic de ce patient-là. Les enfants du monsieur demandent à ce que tout soit fait pour sauver leur père, laissant entendre que le médecin a peut-être fait une erreur médicale. Ce type d'allusion amène le médecin à traiter intensivement. Alors le doc, il se fait dire, c'est de ta faute. Il traite et il traite intensivement au-delà de ce qu'elle aurait fait de façon ordinaire. En temps ordinaire, pour ce genre de patient-là, dans cette situation-là, elle n'aurait pas fait ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'acharnement thérapeutique ici et pourquoi? Alors, si on revient aux 8 points essentiels, commencer ou maintenir un traitement, même si l'issue est probablement fatale. Est-ce qu'on a ça dans notre situation? Si on vient ici, le taux de mortalité est d'environ 80 % pour les patients dans cette situation-là. Ben peut-être. Peut-être qu'il y en a de vous qui diraient, ben il y a 20 % de chances de s'en sortir, puis vous auriez pas tort. Ensuite de ça, employer des méthodes diagnostiques et des traitements sans tenir compte de la situation du patient. Est-ce que vous trouvez que dans cette situation-ci, on est allé fort un peu dans les traitements diagnostiques, mais peut-être un peu. Puis c'est tout est relatif dans la vie, là. Mais à partir du moment où ce que le patient veut quelque chose, on est mal placé pour dire non. Mais il reste que une gastroscopie, un repas barité, puis les deux colonoscopies, juste la préparation pour ça, être à jeun. La journée de l'examen, avoir été sur une diète liquide la veille. Dans le cas du repas barité puis de la colonoscopie courte et longue, il y a des médicaments qu'on doit prendre la veille qui sont des quantités phénoménales. C'est des grosses préparations pour un patient qui a 95 ans, qui a une santé relativement bonne, mais qui a quand même eu deux infarctus, qui est peu actif. Juste la préparation à ces examens-là pourrait être difficile. Fait que peut-être qu'on pourrait parler d'acharnement thérapeutique ici. Ensuite de ça, traiter pour ses besoins de recherche et d'enseignement. Est-ce on a ça dans notre situation? Pas vraiment. Ne pas se préoccuper de la qualité de vie du patient. Là, si on continue à traiter activement pour un patient qui a 80 % des chances de ne pas s'en sortir, puis que le doc elle-même disait qu'en temps ordinaire, elle n'aurait pas fait ça, mais peut-être qu'on va au-delà de ce qu'on devrait faire. Ne pas se préoccuper de la qualité de vie du patient. Le patient, là, il a 95 ans, il est intubé aux soins intensifs, il a fait une septicémie, il vient de se retrouver avec une colostomie. Est-ce qu'on pousse pas un petit peu notre luck un petit peu? Peut-être. Oublier certains facteurs humains et sociaux, mais de cette diapositive-là, ou dans cette vignette-là, on n'a pas vraiment des exemples de ça. Ne pas chercher à connaître les différences culturelles, on n'a pas vraiment ça dans notre vignette. Capituler devant la pression de la famille. Alors ici, est-ce que ça pourrait pas être considéré de la pression de la famille, tu sais, de dire ouais, c'est ta faute, c'est ton erreur médicale, c'est à cause de toi, c'est comme ça. Donc, faudrait que tu continues à le soigner. Ben oui, ça peut être considéré de la pression de la famille. Alors, bon, j'imagine que vous comprenez là, ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler. Là, on est rendu au dilemme éthique. Alors, le dilemme éthique, c'est toujours une situation où les valeurs sont mises en conflit. Il ne faut pas que ce soit un manque de connaissances. C'est toujours des valeurs qui sont mises en conflit. Moi, je pense d'une façon X, l'autre personne pense d'une autre façon qui est différente de la mienne et ça rentre en conflit dans une situation. Et je prends tout le temps l'exemple
de la clinique d'avortement. Je suis contre l'avortement, tu es pour l'avortement. Puis là, dans la vraie vie, là, ça, je ne dis pas que je suis contre l'avortement, c'est pas ça du tout. Mais mettons que pour les besoins de la cause, je suis contre l'avortement, puis la personne à côté de moi, elle est pour l'avortement. Puis on travaille à l'hôpital, puis on discute de ça, puis on se dit ben, que la patiente qui s'en vient pour un avortement, ben, elle ne devrait pas être là. Moi, je dis qu'elle ne devrait pas être là, puis ça n'a pas de bon sens faire des avortements. Puis l'autre personne qui est pour l'avortement, elle a dit ben oui, elle a le droit à ça, c'est légal ici au Canada, blablabla. Bla, bla. Voyez-vous comment que le conflit vient d'une valeur. Alors, l'idée, quand on essaye de régler un dilemme éthique, c'est de trouver des solutions à ce conflit de valeurs-là. Puis, c'est jamais une excellente solution. Ça sera jamais la meilleure solution. Ça sera jamais la seule solution. Mais il y en a souvent, il y en a plusieurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir celle qui adonne le plus de monde possible, qui rend heureux le plus de monde possible. Alors, on peut avoir plusieurs solutions, puis on va choisir la meilleure dans toutes les solutions qu'on aura trouvées. Vous allez voir, là, on va faire un exemple un peu plus tard dans une autre série de capsules. Là, on va faire un exemple de dilemme éthique. La problématique ou le conflit ne doit jamais, jamais résulter d'un manque de connaissances. C'est pas ah ben je ne savais pas. Il faut toujours que ce soit juste un conflit de valeurs. Donc, tu sais, mettons, je pourrais pas dire, ben moi, je suis contre l'avortement parce que l'avortement, c'est illégal. Ben, c'est pas illégal. L'avortement, c'est légal. Donc, je pourrais pas dire, je suis contre l'avortement, puis je monte au front parce que je suis contre l'avortement parce que c'est illégal. Ben, c'est plate, là, mais c'est légal. Donc, il faut jamais que ça vienne d'un manque de connaissances, le dilemme éthique. Faut, à la base, il faut toujours avoir une réflexion entre nos valeurs personnelles et nos valeurs professionnelles. Depuis le début que je dis, l'infirmière, elle est gérée par plusieurs choses, entre autres le fait que oui, elle a des valeurs personnelles, puis elle a le droit à ces valeurs personnelles-là. Mais dans sa profession, il faut qu'elle véhicule les valeurs professionnelles qui viennent avec sa profession. Donc, je ne pourrais pas dire, je fais de l'enseignement à mes patientes contre l'avortement parce que moi, dans le fin fond de moi, là, je suis contre l'avortement. Fait que là, en cachette, là, à l'hôpital, je fais de l'enseignement contre l'avortement. Je fais voyons, du soutien négatif envers l'avortement. Je pourrais pas faire ça parce que ma profession dit que je dois véhiculer les bonnes informations. Il faut que ce soit soutenu par des faits scientifiques et des faits légaux. Ben, l'avortement au Canada, c'est légal. Fait que j'aurais pas le droit de faire ça. Fait que comprenez-vous qu'il faut faire quand même une bonne réflexion entre ses valeurs personnelles et ses valeurs professionnelles. Je suis contre l'avortement, j'irai pas travailler dans une clinique de soutien familial ou de planning familial. Faut toujours s'assurer que quand on essaye de gérer un dilemme éthique, faut garder un climat de respect. Il faut supporter nos patients, faut supporter les gens qui sont dans le conflit. Puis, il faut s'assurer que tout le monde soit en mesure de donner son opinion sans qu'on se batte en bout de ligne. Il faut connaître les valeurs de nos patients, ses habitudes de vie. Il ne faut pas essayer de manipuler ou de mentir aux patients pour qu'ils prennent la décision qu'on veut qu'ils prennent en bout de ligne. Non, non, on donne l'information qui est là puis qui existe sans mentir, sans essayer de manipuler. Tantôt, je vous parlais de faut trouver la moins pire solution ou la meilleure solution pour toutes les parties en cause, mais on appelle ça un consensus. Alors, on va essayer de satisfaire tous les parties, on va essayer de satisfaire tout le monde pour que, en bout de ligne, les gens soient à l'aise avec la décision qui aura été prise. Puis, si jamais notre dilemme éthique devient bien, bien intense, c'est des trucs qui sont plus philosophiques, qui vont plus loin dans le processus. Mais il faut jamais hésiter d'aller voir l'équipe interdisciplinaire puis de faire sortir le comité éthique. Le comité éthique, c'est pas un comité qui se rencontre de façon régulière. On a une réunion par semaine pour le comité éthique. Non, non, c'est pas ça. Mais dans chaque milieu hospitalier, il y a des gens qui siègent sur ce genre de comité-là. Souvent, il va y avoir un avocat pour avoir l'aspect législatif. Il va y avoir des infirmiers, des TS, des médecins. Il va y avoir des gens de la population du conseil administratif, tu sais, des gens qui font pas partie de ces groupes-là, qui sont de l'extérieur complètement,
Puis ces gens-là vont s'asseoir ensemble, puis vont discuter d'une situation qui est plus problématique, qui est plus difficile à gérer, pour pouvoir en bout de ligne avoir un avis éthique sur la situation. Fait que ces comités-là existent. C'est sûr qu'ils ne siègent pas de façon régulière, mais il y a toujours moyen de les faire sortir. On le dit depuis le début, les patients ont beaucoup de droits, ont quelques devoirs, mais ont beaucoup de droits. Là, je ne vais pas revenir sur tous ces droits-là, mais soyez conscients que vos patients ont beaucoup de droits. Et l'infirmière, elle a des droits, mais elle a surtout beaucoup de devoirs. Alors, je ne vais pas revenir sur chacun de ceux-là parce qu'on en a parlé dans d'autres parties du cours, mais l'infirmière, elle a quand même beaucoup de devoirs envers ses patients. Alors, il y a 8 étapes à un dilemme éthique, c'est toujours les mêmes. Pour votre travail de session, on vous donne un document qui contient les 8 étapes du dilemme éthique. Donc, recueillir les éléments essentiels, formuler le dilemme éthique. Je dis souvent, le dilemme éthique, c'est deux options. C'est blablabla, une option, ou blablabla, l'autre option. Un dilemme éthique, ça ne peut pas être « on devrait faire ça ». Ça, ce n'est pas un dilemme éthique. Un dilemme éthique, c'est est-ce qu'on devrait faire ça ou on devrait faire ça? Il faut toujours essayer de trouver les personnes qui sont concernées par le dilemme éthique, puis on va avoir une situation clinique pour se baser dessus. Les valeurs qui sont en conflit, parce que c'est souvent ça qui va nous aider à régler le dilemme éthique, trouver les bons articles de loi, parce que la prochaine section, c'est trouver les droits et les devoirs de chacun. Mais les droits, ça sort du Code civil, de la Charte des droits et libertés, et les devoirs, pour l'infirmière, ça sort du Code de déontologie. Donc, si on a une bonne idée de ce qui se passe, c'est quoi les éléments essentiels, c'est quoi les valeurs qui sont en conflit, ça va nous aider à trouver c'est quels droits et quels devoirs qui sont en cause ici. Alors, un coup qu'on a trouvé ça, puis qu'on a trouvé les articles de loi qui sont reliés à notre dilemme éthique, on va choisir une solution, parce que les dilemmes éthiques qu'on va vous présenter, nous autres, ce n'est pas vraiment des dilemmes éthiques. Vous allez les regarder, puis vous allez dire, bien, c'est bien évident que c'est ça la réponse. Mais l'idée, c'est de vous le faire décortiquer pour que vous soyez conscient de pourquoi c'est ça la réponse. Donc, on va pouvoir résoudre nos dilemmes éthiques, nous autres. On n'aura pas besoin de faire sortir le comité. Ensuite de ça, on va justifier en utilisant un article, ah, puis c'est pas au numéro 4, c'est au numéro 5, un article de loi, on va choisir, dans tous nos articles qu'on a utilisés, on va en choisir un, puis qui va faire à cause de lui, je trouve que c'est celui qui a le plus de poids dans mon dilemme éthique, c'est à cause de lui que j'ai pris la décision ici. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire pour apporter notre solution? Qu'est-ce qu'on va faire comme pratico-pratique, là. Peut-être que ça va être une rencontre de famille, peut-être que ça va être informer certaines personnes, peut-être que ça va être de faire signer certains documents, mais peu importe, on va faire des trucs pratico-pratiques qui vont faire qu'on va pouvoir mettre à exécution la solution choisie. Alors là, je vais vous laisser là-dessus. On va avoir un PowerPoint avec des capsules d'exercice sur le dilemme éthique qui vont s'y rattacher. Et puis, je vais les déposer en même temps, là. Fait que vous allez pouvoir regarder les deux. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir.